Allez. Yoshev, Seiserelion, Betzel Shaddai, Islonon, Omar, Ladonoi, Marci, Tudosi, Elohai, Eftar, Bo, Kihu, Yati, Lechom, Ibar, Yokush, Midever, Hapos, Bevroso, Yoser, Loch, ושחס כנופוף תכסה צינו וסוחר או עמיתו. לא סירו מפחד לילו, מחץ יעוף ימון, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צהרואים, יפול מצדכו אלף ורבובו מימינךו, אלךו. לא יגוש, רק בעיניכו סבית ושידומס ושועים תראה, כי עתו אדוני מרצי עליון צמתו מעונכו. לא שאונה אליכו רואו, ונגע לא יכחב ואו הולכו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרוכךו. על כפיים יישאו נכו, פן תיגוף בו אבן רגלךו. על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין. כבי חושק ואפל תהו, אסג ואו כי יודע שמי. נקחו עיני ועיניו, עם אנוכי וצורו, אכלצהו ואכבדהו. אורך יומים אשביעהו, והרהו מישהו עושי. ובסות תהילים 121. Kouf Kaf Alef. Shir la malos et so enay et leorim, me aïn yoko ezri, ezri me im adono, yose shoma im boretz, al yiten namot haglecho, al yonum shomrecho. הנה לא ינום ולא ישון, שומר ישראל. אדוני שומרךו, אדוני צילךו, על יד ימינךו. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו. אדוני שמרךו מכל רוע. ישמור אס נפשךו, אדוני ישמור תסכו ובואכו, מעתו ועד עולם. פסוק תהילים 130, קלמ"ד. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמעו וקולי. ינוס נכו קשובוס לכל תחנונוי, אם אבונוס תשמור יו, אדונוי מי יעמוד, כי אמכו הסליחו למען תיבורא, כי ויסי אדונוי כי בסוד נפשי, ולדבורו הוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס. והוא יפדס ישראל מכל עוון עשוב. À la liste de nos très chers malades. Mi shebera chavotenu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, hu yevarer veyirape, Moshe, Chai, Ben, Rosette, André, Yosef, Ben, Miriam, Shimon, Ben, Solika,
Shmuel ben Gretel Halevi, Nislim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Yoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Gérard Fradji ben Myriam, Myriam bat Dina, Pinchas ben Chana, Reuven Shmuel ben Mazal, Sarah Myriam bat Itach, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saisha, Yehonatan ben Sarah, Dvora bat Sarah, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai Arye ben Henya, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Lea, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Alevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leach Limam, Ulrapotam, Ulachiotam, Ularzikam, Vilishlach Lahem Mehera Refua Shlema, Leramach Evarehem Ulshasa Gidehem, בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. J'aimerais juste vous dire, cette semaine, nous lisons la paracha de Bamidbar. Et la paracha de Bamidbar, eh bien, c'est la paracha de Bar Mitzvah de notre très cher président Maurice. Et donc, ces Tehillim sont encore en tout cas, moi, j'arrive, c'est une autre impression, je l'ai dit avec une autre saveur, sachant que cette semaine, eh bien, c'est cette paracha qui nous lit chaque année à la Grande Choule, Bamidbar. Et donc, ça a un goût particulier, et Bezrat Hashem, que ça puisse, eh bien, lui amener la refoua Shlema à lui, parmi tous les autres malades du Klal Israël. Merci beaucoup, Samy. C'est vrai que c'est très touchant. Et tu peux passer un petit bonjour à ton papa, qui, je vois, en ligne avec nous, comme tous les jours. Ouais. Voilà, qu'il soit salué avec plaisir. Voilà. Coach Pingard, c'est quoi la suite du programme? Je t'ai activé ton son, mais ça ne marche pas. Je crois que c'est toi qui dois le débloquer. Voilà. Oui, tout à fait. Non, enfin, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Rav Sim Block. Demain soir, ça sera le rabbin Samama, donc pour la sixième parole, tu ne tueras pas. Ensuite, mardi, il y aura Rav David Lilti, tu ne voleras pas. Mercredi soir, c'est Rav Pierre Eleb, tu ne commettras point d'adultère, parce qu'on a voulu mêler tous les responsables de notre Keïla. Et jeudi soir, on ne parlera pas d'un dibour. Jeudi soir, c'est M. Frédéric Veil qui dirige la synagogue de Silberman. Et ça sera la veille de Yom Yerushalayim. Donc, je lui ai demandé de parler de Yom Yerushalayim. Voilà, et jeudi soir, sachez qu'on a prévu une petite soirée sympa pour tout un programme pour Yom Yerushalayim aussi. Et on vous annoncera la suite du programme pour Shabbat. Voilà, vous n'oubliez pas les émissions habituelles Patrimoine à 14h tous les jours. À 16h, on vous donnera le programme de la semaine, parce que ça va être un peu changé. Et puis voilà, on est en train aussi d'organiser les choses pour les enfants à partir du mois de juin. Cette fois-ci, à partir du moment où ils pourront sortir avec des activités extérieures. Et on est en train aussi de réfléchir à l'ouverture des choules, mais sachez que ça sera vraiment très, très, très doucement et calmement et posément, et que ça sera sûrement après Shavuot, a priori, et pas avant. Je préfère vous poser un peu le sujet pour que vous soyez tous au courant. Voilà. Il y a une prévention sur tout ça assez importante. On va faire le maximum en tout cas, comptez sur nous, et je vais passer la parole à Rav Block. Je vous active le son. Salut. Et voilà, salut, on vous entend. Je remercie le Rav Netter pour sa lecture de Tehillim. Bien entendu, Claude Swingard, depuis quelques années, nous sommes en famille, mais enfin, ceci, c'est une affaire personnelle. Il a parlé, il m'a dit et il a répété qu'il avait voulu faire parler tous les responsables communautaires de Strasbourg. Je ne suis en nullement responsable communautaire de Strasbourg. J'ai peut-être été responsable d'une certaine institution il y a de cela
un certain temps. Toutefois, j'ai des racines strasbourgeoises. Ma mère est née à Strasbourg. Mon père est enterré au cimetière de Etzraïm. Et donc, des racines strasbourgeoises, j'en ai certainement. Et le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on m'a proposé, que moi j'appelle simplement Kibboud Av Va'em, est un sujet extrêmement vaste. L'honneur qui est dû à ses parents. Alors, nous connaissons tous, au moins de façon imprécise, les mitzvot que cela impose. J'en rappelle quelques-unes en passant, mais je n'ai pas l'intention, malgré l'intitulé du sujet, de faire une dissertation halakhique sur les obligations du fils et de la fille envers le père et la mère. Par contre, je voudrais, avant de me lancer dans le sujet proprement dit, dédier ce shiur à la mémoire du frère de mon épouse, qui est également le frère du président Coty Berdugo, Elishama Berdugo. Pour quelle raison le dédier-je? C'est vrai qu'il y a fort longtemps qu'il nous a quittés, mais son Yahrzeit est justement le 23 Iyar, et nous sommes encore ici à Jérusalem pour une demi-heure le 23 Iyar, mais chez vous encore pour 2 heures sans doute. Et donc, Leilou Nishmat Elishama Ben Rachel. Alors, la Gemara dans Kiddushin, lorsqu'elle pose un peu les bases de la mitzvah d'honorer ses parents, affirme la chose suivante. Il y a 3 associés dans l'existence de chaque être humain. J'aurais ajouté, la Gemara ne le dit pas, sauf Adam et Chava. Mais enfin, nous sommes quand même quelques générations après nos premiers ancêtres. Et donc, pour chacun et chacune d'entre nous, nous existons, dit la Gemara de Kiddushin, grâce à 3 associés, notre père, notre mère et Akadosh Baruch Hu. La Gemara précise même, les parties blanches du corps sont données par le père, les parties plutôt rouges, les muscles, le sang sont une contribution de la mère, et Akadosh Baruch Hu, il donne l'intelligence, il donne la vie, il donne la neshama, etc. Donc, d'emblée, ce texte met en équivalence, d'une certaine manière, la place du père et de la mère dans notre existence avec celle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, on peut ajouter, cela est évident, que mon père et ma mère doivent également leur existence à Akadosh Baruch Hu, mais la Gemara ne précise pas sur place, et donc elle semblerait, on le commentera tout à l'heure, ne pas faire de différence fondamentale entre le rôle du père et de la mère d'une part et celle d'Akadosh Baruch Hu d'autre part. Donc ça c'est le premier point que je voulais faire ressortir. Le deuxième, et qui va peut-être nous étonner, c'est que, enfin, ceux qui ont étudié la Gemara le connaissent bien, c'est que lorsque la Gemara cherche à donner des exemples frappants d'une piété filiale, comme on dit, et d'un fils qui a su honorer son père comme il se doit, tous les exemples qu'on apporte sont des exemples de non-juifs. Ils viennent des nations. Le premier, bien sûr, dans l'ordre chronologique, c'est l'exemple de Esav. Avec tout ce qu'on lui donne comme défaut, on lui reconnaît une qualité majeure dans ce domaine, à savoir qu'il était capable de servir son père Esav avec un kavod, des habits. Il mettait un habit neuf, magnifique habit chaque fois qu'il allait servir son père, etc., etc. Et l'exemple bien connu, que je ne citerai pas en détail, d'un araméen, comme ça dit l'Agmara, dans l'Agmara de Kiddushin, qui s'appelait Dama ben Natina, et qui a été capable de renoncer à une fortune colossale, simplement pour ne pas réveiller son père, qui dormait à ce moment-là et dont il aurait fallu le réveiller pour être capable d'accéder à cette fortune. Alors c'est un peu troublant. Dans une conférence qu'il a faite à Bishaim il y a de cela fort longtemps, le regretté André Aaron Frankel, Zichrono Livracha, faisait remarquer que c'est vrai que les nations, au moins celles qui ont une certaine tenue, respectent leurs parents
et mettent en avant l'honneur qu'on doit rendre à ses géniteurs. Mais ils le font parce que c'est une chose logique. Hein. Ils le font un peu parce que si tu respectes tes parents, à ton tour, tes enfants te respecteront. C'est une question de bon sens. Pour nous, les mitzvot ne sont pas prioritairement liées à une question de bon sens. Elles sont liées au fait que nous nous soumettions à l'autorité majeure d'Akadosh Baruch Hu. Et que lorsque nous honorons nos parents, ce n'est pas parce qu'il y a tel et tel raisonnement, telle et telle logique, telle et telle satisfaction intellectuelle à faire une telle mitzvah, mais c'est tout simplement parce que la Torah nous le demande. D'ailleurs, on peut faire remarquer que les goïms, les nations, ne se réfèrent pas à Kadosh Baruch Hu pour faire cela. Mieux que cela, ils n'ont même pas dans les sept mitzvot noachid, d'une manière claire, ils n'ont pas l'obligation particulière de respecter les pères et mères. Et faisait remarquer André Frankel, nous ne respectons les parents que parce que Akadosh Baruch Hu le demande. Comme toutes les mitzvot, la mitzvah, c'est un engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le fait le plus frappant, c'est non seulement que Kibbud Av V'Em figure dans les 10 commandements, mais qu'il y figure dans les 5 premiers. Plus exactement, il en est, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le 5e. Or, la tradition est claire qui nous dit que les 5 premiers commandements sont des commandements Ben Adam Lamakom, vis-à-vis de Dieu. Tout commandement, j'ouvre une petite parenthèse, évidemment, tout commandement me lie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, me lie du verbe lier. D'ailleurs, le mot mitzvah, comme le faisait remarquer Moshe Shapira, le mot mitzvah peut se lire metzavé, il peut se lire mitzvah, il peut se lire metzouvé. Metzavé, c'est celui qui donne les ordres à Kadosh Baruch Hu. Metzouvé, c'est celui qui accepte, qui doit accepter ses ordres, ce sont les Bnei Israël. Et la mitzvah, qui est intermédiaire, eh bien, la mitzvah, c'est le lien entre celui qui ordonne, Akadosh Baruch Hu, le Metzavé, et celui qui reçoit l'ordre, le Metzouvé, le Ben Israël ou la Bat Israël. Et il est donc très important d'avoir en tête le fait que pour la tradition juive, la mitzvah d'honorer ses parents est tout d'abord une mitzvah Ben Adam Lamakom, une mitzvah, comment dirait-on en français, on dit religieuse, moi je préfère dire, c'est gérer la relation verticale, la relation avec Akadosh Baruch Hu. Nous en reparlerons, si le temps nous le permet, un peu plus tard. Alors, pour illustrer un peu une différence peut-être entre la manière dont la tradition juive demande d'honorer ses parents et celle qui existe ou qui n'existe pas ailleurs, un épisode qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années, c'était dans un avion qui allait, à l'époque où on allait encore en avion, hein, vous vous souvenez, hein, qui allait de Tel Aviv à New York. Il y avait là-bas un ministre non religieux et un rav âgé, un personnage déjà d'un certain âge. Et pendant tout le long du vol, hein, c'est quand même 12 heures de vol, ce rav, qui avait un petit-fils qui était là-bas, le petit-fils venait à tout moment l'honorer, lui demander « Est-ce que tu es bien, grand-père? Tu as besoin de boire? Tu as besoin de ceci? Tu as besoin de cela ?» Le ministre était absolument stupéfait parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude d'avoir, de la part de ses enfants, de ses petits-enfants, je ne sais pas s'il en avait déjà, de telles attentions. Et alors le ministre se tourne vers le rav, lui dit « Je ne comprends pas comment vous arrivez à avoir une telle considération de la part de vos descendants. Nous, nos descendants, ils nous ignorent. Ils nous demandent de l'argent peut-être, mais
c'est pas leur préoccupation majeure. Je n'aurais jamais pu espérer avoir un tel service de la part de mes enfants, de mes petits-enfants. Alors le Rav a répondu, c'est simple. Vous avez la théorie suivant laquelle l'homme descend du singe. Autrement dit, que plus les générations passent, plus elles sont intelligentes et évoluées, et donc les ancêtres, les pères, les grands-pères, les aïeux, c'était des gens primitifs. Pourquoi voudriez-vous que vos enfants ou petits-enfants aient de la considération à votre égard? Dans la Torah, c'est exactement l'inverse. Chez Alavicha v'yagetcha, Zertenecha v'yomroulach, le passage qui est connu dans la fin de Devarim, qui dit que quand on veut savoir la réalité de l'existence, on doit s'adresser à ses parents, à ses grands-parents, à ses aïeux, dans l'esprit de la Torah, les générations.